Eh bien salut à tous, c'est Lego564 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors oui, ça fait très longtemps. D'ailleurs je vous souhaite la bonne année, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Et donc je vais en revenir même si on est au mois de janvier. Enfin voilà, honnêtement j'avais perdu la motivation et puis je faisais d'autres choses tout seul à côté. Alors du coup, pour la saison 2 de survie, je vais vous montrer un screen à l'écran. C'est que je suis retourné sur la map parce que vous vous souvenez, on était en train de faire la maison et il me fallait du bois de sapin, donc j'étais parti en 1.12 parce que je joue en 1.12.1, donc j'y ai pas pensé. Et donc je vais dans la map, je cherche du bois de sapin que je n'ai pas trouvé. Et d'ailleurs j'ai remarqué qu'on était sur une île immense perdue en plein milieu de la mer. Et donc à part du bois de chêne et du bois de bouleau, il n'y avait pas d'autres arbres. Et donc du coup, quand j'ai voulu faire la vidéo, c'est-à-dire hier, je suis revenu en 1.11 et j'ai remarqué que tous les achievements avaient été réinitialisés. Donc comme vous pouvez voir sur le screen que je vais vous montrer en haut à droite. Et donc c'est assez embêtant et honnêtement j'ai pas du tout envie de tout recommencer. Donc j'ai gardé la map au cas où. Mais je pense que je vais arrêter le survie pendant un moment. Je vais terminer ce château car j'ai fait ça entre temps. Et j'ai réfléchi, j'ai fait les plans hier. Et d'ailleurs je vais arrêter parce que je me suis dit que ces plans je pourrais les faire en vidéo. Ça pourrait être sympa. Et comme vous avez vu, bon j'ai juste montré une petite partie accélérée de la construction de cette aile. On dit aile pour le château, oui. Moi j'ai pas tout montré, j'ai juste montré cette partie. Et donc bah là, alors les laines jaunes représentent les fenêtres, les laines rouges les portes. Et la laine orange, le centre de la tour. Tour que j'avais au début raté, mais celle-là est assez bonne. D'ailleurs je m'étais arrêté parce que ici il faut que je fasse une tour. Ici ce sera la chapelle. Alors est-ce que c'est assez grand? Je verrai pour agrandir parce que je trouve que la chapelle n'est pas assez grande, donc ça je le ferai avec vous. D'ailleurs on va juste terminer le patron dans cet épisode et on va monter quelques murs je pense. Ah oui, le donjon, oui, parce que c'est avec vous. Au dernier épisode je suis en train de faire le donjon et donc comme j'avais déjà fait le donjon sur une autre map, en plus une map solo, et je l'ai reproduite ici. Exactement pareil. Et donc je vais vous faire visiter. Alors je trouve qu'il est pas mal ce donjon. Alors ici nous avons le four à pain. Voilà. Les toits c'est partout comme ça. Avec des fenêtres comme ceci. Voilà. Et puis ici normalement il y a... Voilà l'espèce de cave où on range ce qu'on veut. Une espèce de réserve de nourriture, hein, avec des caisses, n'importe quoi. Alors technique qui vient pas de moi mais d'un ami pour faire les braises, utiliser les magma blocs, qui est une technique vraiment sympa. Voilà, alors oui, les murs sont épais, mais ici c'est voilà, ici il n'y a qu'un d'épaisseur parce que j'ai creusé l'escalier dans le château. Mais comme ici il y a l'aile gauche du château, j'avais pas besoin de faire d'épaisseur. Alors voilà. Des tapis rouges de décoration. Ah oui, il faudra juste que je termine une cheminée. Il faut juste que je fasse les armor stand. On va garder juste l'inventaire parce qu'il pourra me servir plus tard. Je vais très rapidement le faire avec vous. Hop. Voilà. Et pour les chaussures, du cuir. Voilà. Ici, c'est des... Ici, là. Ces petits trous, on peut mettre, je sais pas si vous avez déjà vu dans les villages, mais en général, il y a des Saintes Marie ou des petites statuettes ici. Alors bien sûr, il n'y a pas de statuettes dans Minecraft, mais c'est juste pour faire joli. Avec les chaises en acajou, je trouve sympa. Ici, les bannières Lorraine, mais c'est parce que c'est un château lorrain. La table de craft n'a rien à faire là, c'est quand j'ai fait les colorants pour les bannières. Ici, normalement, il y a une première chambre. Avec un billard, un lit et toujours les bannières. Pareil, toujours les petits creux, ici aussi. Et l'armor stand, voilà. Et en haut, c'est pareil, c'est une chambre. Même si c'est pas pratique, parce qu'admettons, la personne, elle est tout en haut, elle veut descendre, elle est obligée de passer par les chambres. Mais bon, ça, j'y ai pas pensé au début. Faut dire qu'il y avait, à l'heure actuelle, il n'y a que le four à pain.
Et puis en haut, on n'a pas visité parce que bah, c'est un peu. C'est un. En soi, c'est intact, mais c'est dangereux à ce que j'ai compris. Donc on visite le four à pain et quelques pièces, mais sinon on va pas tout en haut. Pareil, un billard, une chambre, sauf que c'est juste pas les mêmes couleurs. Alors c'est pas les Harry Potter, mais c'est en référence aux couleurs du blason. Et tout en haut, je crois. Si je... Voilà, c'est ça. Et ici, avec des fenêtres pour voir au loin. Alors j'imagine que ces fenêtres pourraient s'ouvrir pour regarder, tirer au canon. J'imagine. Là j'ai mis des fenêtres pour faire beau, mais il n'y a pas de fenêtres partout en vrai. Et là voilà. Alors même si là c'est extrêmement moche, c'est vide. Mais voilà. C'est. Je sais pas vraiment comment faire. Hein. Il n'y avait pas vraiment d'archère, c'est juste des petites ouvertures comme ça. Mais j'imagine qu'on pouvait tirer à l'arc quand même. Alors, je vais descendre. Voilà. Voilà, c'est ça le problème, c'est que on doit tout. On doit passer par toutes les pièces. Voilà. Et voilà, la salle à manger. D'ailleurs, faudrait que. Oui, ouais non, pas besoin. Et voilà. Donc le donjon, il est fait. Zut. Je l'ai fait hors caméra bien sûr, mais j'avais pas envie de tout retaper en vidéo parce que je vous avoue que c'était très pénible à refaire. Alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors on va sûrement agrandir la chapelle et on va déjà faire la tour. Alors je sais plus comme ça date d'hier. Bah oui, on va faire zut. Je crois que c'est comme ça. Non? Ah bah oui, ok. Et on va juste remettre tout ça là-dedans. Voilà. Voilà, donc là ce ne sera pas le centre de la tour, mais c'est juste pour me repérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si je me souviens bien, il faut que je me débrouille. Comment? Ok, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 4, pardon. Ok, donc là, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 3, ça doit être pareil, 1, 1, 2, ensuite 1, 2, oui, 1, 2, 3, alors comme ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok, donc en gros, je vois le genre, alors 2, 1, 2, 4, 2, 1, ok, je vois. 4, 2, 1, 2, 4, voilà. Et le centre de la tour est désormais... Il est zut. Ah, petit freeze. Voilà, il est là. Donc on a terminé le patron. Il y a juste une tour là. Que je fasse, elle est pas exactement là, elle est un peu dans le coin. Si je vous trouve une photo, je vous la montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Alors, cette partie du château est une partie Renaissance, tandis que cette partie est la partie médiévale. Alors, cette partie précisément, donc c'est-à-dire. Toute cette partie-là est habitée par les propriétaires du château. Et l'autre partie est visitable. Alors ici, il y a des endroits, il y a des étages, mais on peut pas visiter. Voilà. Mais c'est juste cette partie qui a été modernisée, tout simplement. Hop. Voilà, c'est bon. Alors pour continuer, on fait 2. 2. 1. 1, 2, c'est bien ça, 1, 2, 1, oui, 2, 1, 1, 2, 1, juste, oh, des frises, hein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1,
Deux. Je suis perdu. Attendez. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Et le centre de la tour est désormais ici. Voilà. Donc là, nous avons fait le patron entier. Donc il y aura juste à rajouter les endroits où il y aura les vitres. Mais sinon, c'est le patron entier du château. Alors là, nous avons une entrée. Avec ici un ancien portail. Il y a un pont ici, parce qu'il y a un cours d'eau, et là-haut il y a un jardin de plusieurs hectares, il est énorme. Et puis ici il y a une écurie, et puis à l'entrée actuelle du château, on passe par une petite porte, et on traverse les écuries, puis on arrive au château. Alors, comment commencer? Alors j'avais le plan, ah oui, déjà je prévoyais d'agrandir la chapelle, parce que c'est vrai qu'elle est petite. Alors je vais essayer de vous montrer une photo de la chapelle si je peux sur... bah, je vais vous en trouver une sur internet tout simplement. Alors il faut que je fasse... On va essayer de l'agrandir pour faire en sorte que ça aille à cette... Hop. Faut savoir que pour les murs de la Renaissance, c'est-à-dire ceux-là, je vais pas faire d'épaisseur tout simplement. Alors... Oui, mais j'ai 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, voilà, tout est bon. Et normalement, là, 1, 3, 2, 3, et voilà. Et là, nous avons une chapelle de taille suffisante, mais modérée. Oui, donc ça c'est bon. Alors l'arrière, je verrai plus tard. Il faut que je fasse les fenêtres des tours. Si je me souviens bien, c'est 1, 2. 1, 2. 1, voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est pareil pour cette tour? Je ne suis pas sûr. Celle-là, sûr. 1, 2. 1. 1, 2. Voilà. Et ici... Oh, si c'est pareil, je regarderai plus tard sur le plan et puis je pourrai corriger. Voilà. Alors normalement ici dans le mur, il y a ce qu'on appelle les... je vais dire des cadrans solaires, mais... Hein, si c'est un cadran solaire? Hein? Je sais plus. Et ça indique l'heure avec le soleil. Donc il y en a un là, un là, un là et un là. Il y en a quatre. Il y en a un qui donnait l'heure exacte, qui était celle-là, mais les autres, ils donnaient pas l'heure exacte. Est-ce que ça dépend des saisons? Je sais pas. Mais je me suis dit ça après, parce que... J'y ai un peu pensé. Alors oui, il faut que je prenne... Enfin, que je regarde des photos actuelles du château. Alors... Hop là, je me dépêche. Voilà. Bon écoutez, je vais faire une petite coupure. Et bah, je vous dis quand j'ai trouvé les photos. À tout de suite. Ouais bien, donc j'ai regardé des photos sur Google. Ok, donc je confirme. Alors comme ça, voilà. Avec l'arrière du château. D'accord, et d'ailleurs je vais vous montrer une image de l'arrière du château pour que vous puissiez voir où se trouve exactement la chapelle. Et comme ça, je vais vous montrer aussi la photo de la chapelle, comme ça vous pourrez comparer. Et vous verrez qu'il y a trois vitraux dans la chapelle, et on retrouve ces trois vitraux ici, qui sont celui-là, 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 et celui-là qui a été cassé, abîmé lors d'un bombardement durant la guerre de 40. Alors, il faut que je... Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, je dirais. 2, 3, 4, 5. Oh, pile. Ouais, pile. Alors, on fait un copier-coller ici. Ok, donc l'arrière du château est fait. Il n'y a plus qu'à faire cette partie. On va quand même faire et celle-ci.
Alors normalement il y a aussi une porte, une entrée il me semble. Je me souviens bien parce que ça fait un petit moment quand même j'y étais. Alors, faut que je regarde sur les photos bien sûr. Ah, là il y en a une où on voit bien. D'accord, donc j'essaie de faire au mieux, après c'est pas exactement comme ça, m'en voudrais pas. Ici, on a. Ici. Ici, il y a une porte. Fenêtre. Et là, enfin, c'est des fenêtres collées, c'est assez bizarre. 1, 2. Voilà, on peut faire. Ah ouais, mais non, là, ça colle plus. Comment faire? Là, j'ai fait à combien? 3, 3. Bon, on va faire comme ça, écoute. Hein. Voilà. Et l'arrière, oui. Qui va être plus. Parce que je vois pas de photo de l'arrière. Alors là, on en voit, dont la chapelle. Alors, je savais pas au début que cette partie-là que je vous montre était la chapelle, mais je l'ai deviné grâce aux vitraux, sachant que les fenêtres ici ont un cercle au-dessus. Bah, je vous montre la photo où je vois. D'accord. D'accord, d'ailleurs, si je peux vous montrer une photo du jardin, ce serait bien, du plan du jardin comme on était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que de l'herbe et quelques... Il reste quelques bâtiments, il me semble. Ok. D'accord, et là, donc, ici, il y a exactement deux fenêtres. De toutes petites fenêtres, mais... Ça m'embête un peu de faire comme ça, mais bon, après tout pourquoi pas, mais je préfère quand même ça. C'est pas vraiment comme ça en vrai, mais bon, c'est de l'à peu près. Il n'y a plus que du coup cette partie, mais comme je vois pas vraiment de photos, bah, je vais l'imaginer. Je vais faire, bah, étant donné, enfin je vais faire le même style. Un... non, voici, 5. Là il y a 4 et là il y a 3. Voilà, on va faire comme toi. Et donc bah voilà, les fenêtres, les portes, tout est placé. Et là où je comprends pas, c'est que si je vous montre la chapelle, il y a, comme vous pouvez le voir. Ah, j'ai compris, ok. Il y a ici une entrée qui était pour les chevaux. Et si je me souviens bien, il me semble que c'était pour son cheval. Car faut savoir que le seigneur qui habitait dans le château adorait la chasse. C'est pour ça qu'il avait un terrain de plusieurs hectares au fond. Et je m'en rappelle, et il rentrait à cheval ici. Et bah le cheval enfin, pouvait ressortir comme ça. Et il y avait même des escaliers à un endroit pour les chevaux. Enfin ça c'est spécial. Et du coup la chapelle, elle est à l'étage au-dessus. Ah! Ah, c'est génial! D'accord, oui. Donc, il allait à la chasse, et puis il pouvait revenir directement. Voilà, et il traversait. Puis il allait aux écuries, là-haut. Ah, mais je comprends mieux. Voilà. Et bah, j'aurais compris quelque chose en plus. Voilà. D'accord. Bah, c'est intéressant. Alors, je vais juste ranger. Voilà. Et je vais commencer à remplacer les laines par des blocs. Voilà. Et ça, je vais le faire en accéléré. A tout de suite. Thank you.
Eh bien, re, donc j'ai terminé de remplacer toutes les laines sauf celle du milieu. J'ai rapidement commencé et vous avez pu voir que j'ai fait l'entrée. Alors ici, si j'ai adouci, c'est normal, c'est parce que bah, justement les chevaux étaient censés pouvoir passer, donc c'est pour ça. Le problème c'est que là, alors en vrai c'est pas comme ça, il y a même une vitre là, enfin c'est beaucoup plus grand. Et bah c'était forcément beaucoup plus grand et, pour que le cheval puisse passer. Donc vous m'en voudrez pas si j'ai pas exactement fait comme c'est en vrai. J'avais pas envie de faire une grande porte comme ça. Sachant que maintenant c'est une double porte, mais j'imagine qu'à l'époque c'était une porte aussi comme ça. Donc là c'est une porte où, comme c'est actuellement, puis là il y a des fenêtres que je vais rajouter. Mais enfin voilà. J'imagine qu'à l'époque au Moyen-Âge, cette porte était ici aussi. Et que c'est comme ça que le cheval pouvait passer. Parce que honnêtement, le cheval il passe pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors la chapelle comme elle est au-dessus, je me suis rendu compte qu'ici, bah du coup, il n'y avait pas de fenêtre. Et donc du coup, les fenêtres seront au-dessus. Secondement, bah rien. Y a rien de spécial et donc je vais continuer à poser mes blocs. Ah, et je vais peut-être j'aimerais bien faire tout premier étage aujourd'hui parce que c'est vrai que du coup comme j'ai eu un mois d'absence ici le cheval y passait pas, hein. Comme j'ai eu un mois d'absence, j'aimerais bien me rattraper en avançant pas trop mal. Voilà, mais après j'ai pas envie non plus que la vidéo soit trop longue. Ici toi tu viens là, ici on mettra les fenêtres plus tard. Pareil, ici l'entrée je la ferai plus tard. Zut, voilà. Mettre ça, puis comme ça j'en profite pour en mettre. Et là, je prends les laines là, je prends ça. Voilà. Donc là, on a la seconde entrée. Alors pourquoi il y avait deux entrées, enfin trois en tout, mais... Eh ben, je viens de comprendre tout seul. Ici c'était l'entrée du cheval. Et ici c'était l'entrée normale. Enfin je pense. Je pense que les piétons passaient par là. Et que comme à l'époque j'imagine que c'était une grande porte pour faire passer le cheval, et bah ici c'était spécialement pour les chevaux. Voilà, comme quoi, hein. On comprend tout seul. Voilà, je suis pas si bête que ça. Ok, donc à partir de là, on va commencer la première tour. Ah d'ailleurs les chansons que j'ai mis, j'espère que vous aimez bien, c'est les chansons celtiques, un peu que j'ai trouvé sur internet, sans droit d'auteur. Voilà. Ça change un peu d'habitude des chansons toujours répétitives. D'accord. Ici je ferai peut-être l'entrée avec le grillage, parce que là il y a... Y a comme des murs avec ici des... Enfin à l'époque, hein, mais il reste encore quelques petits bouts. Ici il y avait du... Y a des grilles de fer. Grilles de fer, c'était comme ça. Puis à un endroit il y avait... Là à peu près au centre il y a un pont. Et d'ailleurs sur les ponts, alors ça je le montrerai plus tard, mais admettons ça c'est l'entrée. Et pour que les calages puissent passer, il y a ça. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en fait c'est comme le garde de l'entrée, il se mettait là pour pas se faire écraser par la calèche. Ce qui fait que la calèche là elle passait. Et pour éviter que les roues de la calèche se mettent sur les pieds du garde, et bah il y avait un espèce de poteau qui se mettait derrière et il était protégé. C'était pour la petite anecdote. Voilà, ça je peux l'enlever. Et si je fais le grillage, je le ferai, voilà. Mais comme c'est pas beaucoup connu et quand je vois les châteaux avec les entrées, personne le fait. Et je pense que ça peut être un côté plutôt sympathique. Ça... Enfin, quand je dis personne le fait, en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Mais après, c'est possible que quelqu'un l'ait déjà fait.
Ça, voilà. Pareil, je tiens à préciser pour la couleur du château, en vrai, c'est un peu de la pierre blanche, c'est du calcaire, je crois. En même temps, comme c'est un château lorrain, en Lorraine, il y a beaucoup de calcaire. Donc c'est pour ça que la pierre est un peu blanche, mais pour un souci esthétique pour moi et pratique, j'ai préféré la stone brick. Alors. Voilà. Ici, on met comme ça. Alors ici, ouais, comme je pouvais pas mettre d'escalier, je pouvais mettre une dalle, mais non, parce qu'avec les fenêtres, ça n'aurait pas rendu joli joli. Donc du coup, j'ai simplement mis un bloc dans des dandésite poli. Voilà. Bah ça commence à avoir de la gueule, non? C'est bizarre parce que là, la tour, elle est... Enfin, ici, le coin-là, il est bizarre, hein. Mais si on regarde les photos, c'est vraiment comme ça. C'est pas moi qui construis bizarrement. Voilà. Ce qui fait que du coup, là, je devrais mettre des vitres pleines. Voilà. D'ailleurs avec les nouvelles textures, je sais pas si il paraît que l'andésite, enfin, parce que j'ai vu, elle est moche l'andésite. Alors je sais pas si bah, ça va gâcher les constructions tout simplement. Les nouvelles textures, j'accroche pas trop. Mais après c'est parce que j'aime pas le changement, tout ça, mais je m'habituerai. Mais c'est vrai que si je change la pierre et puis que ça rend pas bien, enfin. J'ai peur pour les constructions. Au pire, je resterai en 1.12 où je garderai là, un pack de textures. Qui remettra les anciennes textures, je pense que ça existera. Ça c'est bon. Bon, voilà. Ça rend pas mal. Ça rend vraiment pas mal. Alors j'essaierai de faire l'intérieur quand même pour voir comment je suis en architecture Renaissance, même si ça, c'est l'architecture Renaissance. Même si je fais pas tous les détails, hein, je passe très rapidement. Voilà, ici je le ferme. Bon, je vais pas tout faire avec vous parce que ça va vous ennuyer plus qu'autre chose. Parce que me voir monter des murs, j'imagine que c'est pas très intéressant. Je voulais juste vous expliquer l'entrée, tout ça. J'ai changé ici tac tac et puis bon en tant que quelqu'un qui dit tac tac hop là c'est pas un très bon commentari alors je préfère à la limite faire un accéléré comme ça vous me voyez construire ou une coupure mais bon la coupure je suis moins fan parce que c'est en cas de gros truc oui mais sinon non là c'est pas gros c'est un petit truc alors je termine juste la tour là et puis j'hésite entre une coupure ou un accéléré. Ouais non, j'ai déjà fait deux accélérés, hein, au tout début de la vidéo. Et ouais. Deuxième, donc du coup je vais faire une coupure. Donc là je termine la tour, je continue quand même un peu parce que là, tant que je suis dedans, j'ai pas envie de casser ma motivation. Allez vite là. Bien sûr je mettrai plancher avant la fin de l'épisode. Et puis on se terminera quand j'aurai fini, on terminera l'épisode quand j'aurai fini de mettre les vitres, de mettre le plancher. En gros, quand j'aurai fini de faire le sol et le sol du premier étage. Vite. Alors actuellement, le château n'a, les propriétaires n'ont plus trop de sous, ce qui fait que du coup, le château risque sûrement de fermer ou d'être vendu. Ce qui est un peu embêtant puisque c'est vraiment un château très très beau avec bah, le seul donjon intact de Lorraine. Voilà, je vais juste placer rapidement l'andésite. L'andésite qui casse un peu, qui. Enfin, ça rend bien. D'ailleurs, faut que je retire les laines. Au milieu.
Et pour la chapelle, j'ai mes petites idées pour faire mes vitraux. Alors, je peux faire une simple glace, je vais essayer de faire un petit truc sympa. Alors, est-ce qu'ici, vous voyez là, ça fait un peu trop. Bah, il n'y a pas de détails, c'est un peu sec. Alors, est-ce que je mets de la diorite? Est-ce que j'en mets ou. Ça peut rendre sympa. Ouah, ça fait un peu chargé quand même, hein. Dans le coin, c'est bien, mais. C'est chargé d'ici. Est-ce que je fais une simple ligne? Non, c'est pas beau. Est-ce que je fais. Oui, à la limite, mais ça fait un peu trop cubique. Hein. Je vais juste essayer. J'aime pas. J'aime pas. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas. Et si je fais une ligne toute droite, ça fait un peu trop carré. Donc ça fait pas beau. Ah. Ça m'embête parce que là, c'est vraiment pas beau. Comment je pourrais habiller le mur? Pierre. Est-ce que ça fait si moche que ça? Non, j'aime pas. Bon, on va laisser la stone break, puis bon, tant pis. Alors, là, je vais continuer. Oh, vous voyez, même pas besoin de faire une coupure en accéléré, ça vient tout seul. Ah, j'ai quand un peu peur que l'épisode soit trop long, donc je mettrai une vitesse rapide pour les accélérer. Allez. Oui, bientôt fini là. Ouais, plus que la tour à faire. Et c'est bon. Alors là, j'ai pu voir l'élite parce que je suis remplacé par Optifine. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, à part pour les murs droits, et puis là, comme à part ici, enfin, il n'y a pas ici, pas vraiment de mur trop droit, donc c'est pas grave. Ça me fait, au moins, je peux dire que j'aurais posé chaque bloc un par un, chaque pierre, chaque planche, chaque vitre, chaque escalier. Alors, ici, il faut que je regarde, parce que c'est vrai que là, j'ai pas fait les fenêtres, quand j'y pense. Mais je les ferai, vous inquiétez pas. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que là je vais surtout me concentrer sur cette partie. Mais je le referai, je ferai les vitres ici en hors caméra. Ouais, bah c'est pas mal tout ça, non? Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. Sauf le toit là, il est peut-être un peu trop. Mais bon, je sais pas comment le modifier. Mais sinon, en soi, imaginez la chose. Oh, ça fait un beau château, moi je trouve. Alors on va juste. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, on va reposer l'andésite. Voilà. Donc, parce que j'aimerais bien en fait terminer cette série très rapidement. Pourquoi? Bah, je ne sais pas vraiment, mais j'ai besoin de temps pour une autre série. Alors comme je vous ai dit, la saison 3 de survie qui sera dans point 12, je la ferai bien plus tard. J'ai envie de faire une pause sur les survies. Et sinon, quand j'aurai fini la saison 2 de construction d'un château sur Minecraft, je ferai encore un château. Mais un château que j'inventerai et j'essaierai, je dis bien j'essaierai de le faire en survie. Voilà. J'aimerais bien faire un petit château à moi tout seul en survie. Ça peut être sympa. Ça peut être long.
Et ça peut être sympa. Alors, en commentaire, s'il y en aura, parce qu'on sait jamais, hein, c'est pas tout le temps qu'il y en a. Je pense notamment à Valutum ou à Lucien, qui sont les abonnés les plus actifs sur ma chaîne. Si vous passez par là, sachant que Tom, ça fait The Scientist, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas vu. Donc je sais pas si il est encore dispo, mais si tu regardes cette vidéo, bah dis-moi en commentaire si tu préfères, si t'aimerais bien que je fasse après ce château, ben un château, un petit, hein, pour pas prendre trop de temps, mais en survie. Donc là je fais appel plutôt à mes abonnés actifs. Voilà, donc ça c'est bon. Et j'ai plus qu'à remplir deux planches. Par contre, je vais juste garder ça parce que. Voilà, je le garde quand même pour... ça peut servir. Je pourrais en avoir besoin. Par contre, pour les planches, je fais juste cette tour-là avec vous. Mais sinon, je vais faire en accéléré parce que... Ah, ça c'est un bug, je touche pas mon clavier. Parce que c'est pas intéressant de voir quelqu'un poser des planches. Plus off. Ah, c'est les bugs, ça. Voilà, alors... J'imagine que vous entendez la souris spammer, faut vraiment que je change de souris, que je change d'ordi parce que j'ai touché du clavier. Là, je vais faire un slash. Je sais pas si vous entendez. Là, je tape fort sur la touche pour que vous entendez. Mais ça marche pas. Et voilà, là ça marche. Et le clavier numérique était allumé. Hein. C'est toutes les touches, une fois le bug. Voilà. Alors, le D là il a marché. Mais il marche pas tout le temps le E. Le S. Ah, le A j'ai dû appuyer deux fois. Le C, oui. V, le D. Alors là elle fonctionne mais en base elle fonctionne pas tout le temps ce qui fait que je suis souvent obligé de regarder tout ce que j'écris. Voilà. Ah zut. Voilà, sans problème, on retrouve. Faire ça et faire comme ceci. Puis le reste, bah je fais une coupure. Et je vous dis. Attendez, je termine très rapidement, sinon ça va m'énerver. Voilà, et sur ce, moi je vous dis à tout de suite. Et bien donc j'ai terminé, il faudra juste que je fasse cette partie. Et j'avais d'abord cette partie, oui, comme c'est les chevaux, bah j'allais pas mettre du plancher, j'avais pas pensé. Et j'avais mis de l'andésite normal, mais ça faisait, enfin j'aimais pas, donc je voulais quelque chose de plus carré, un peu carrelage, du coup j'ai pris ça. Alors sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Logo 564, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, salut!